A qui la faute si ça va plus haut? A qui la faute si ça va plus haut? A qui la faute si ça va plus haut? A qui la faute si ça va plus haut? A qui la faute si ça va plus haut? A qui la faute? Oh mon Dieu, ton peuple se mêle. Ce virus continue son sale mot. Oh mon Dieu, ton peuple se mêle. Ce virus continue son sale mot. Si tu t'amuses, ça te met hol. Brave, je te dis, c'est un sale contrôle. Un jour tu oublies et tu bouffes le sol. Du vaccin se remettre, ce virus contrôle. Corona, 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 pardon. Corona, 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 pardon. Coronavirus, corona, coronavirus, corona. Coronavirus, corona, coronavirus, corona, COVID-19, coronavirus, corona, coronavirus, corona, coronavirus, corona, coronavirus, corona, COVID-19, corona. Cette maladie n'est pas de l'amusement. Alors respectons tous les conseils d'hygiène pour éviter la propagation de ce virus qui est en train de traumatiser tout le monde entier. Corona et coronavirus, corona. Éviter les accolades, se laver toujours les mains, éviter les lieux publics, afin de prendre ce virus, corona, virus, corona, COVID-19, corona, virus, corona. Oh mon Dieu, ton peuple se mêle. Ce virus continue son sale mot. Oh mon Dieu, ton peuple se mêle. Ce virus continue son sale mot.
Si tu t'amuses, ça te met all. Brave, je te dis, c'est un sale contrôle. Un jour tu oublies et tu bouffes le sol. Du vaccin se remettre, ce virus contrôle. Corona, 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 pardon. Corona, 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 pardon. Bonjour à tous mes frères et à toutes mes sœurs du monde, d'Afrique et d'ailleurs. Je voudrais vous parler du coronavirus. C'est très, très, très grave et c'est très, 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 très sérieux. Je vous demande à tous de respecter les consignes que nos gouvernants respectifs ont données. Parce qu'ils sont comme vous et moi. Ils ne sont pas assez informés. Personne n'a le médicament. Les médecins qui doivent nous soigner sont désespérés. Il y a plus de 2 milliards de personnes confinées. Ça veut dire que les infirmiers, les infirmières, il n'y en aura pas assez. Et pour le moment, ceux qui prétendent avoir des médicaments, ceux sur qui on compte sont en train de se discuter. Alors, je vais vous dire ceci, mes frères et mes sœurs. Ils ont dit, si tu veux tousser, tu fais comme ça. Tu tousses. Si tu veux éternuer, tu fais comme ça. Et tu éternues. Et si tu dois te moucher, prends un papier et tu te mouches. Et après, tu essuies. Si tu as une poubelle, tu mets là-dedans. Mon frère, si tu as un masque, porte-le. Si tu n'as pas de masque, c'est pas grave. Si tu as des gants, ok, porte-les. Ok, en attendant qu'ils puissent discuter entre eux. Parce que même eux, ils ne connaissent pas. Parce que c'est une première mondiale. Je vais vous dire la vérité. C'est une guerre biologique. À la guerre comme à la guerre. On va pas dire que l'autre, on l'écoute parce que c'est l'autorité. Mais l'autorité ne maîtrise plus la situation. À nous de venir à l'aide aux uns et aux autres, et voire même aux autorités. Vous me comprenez? Et je voudrais surtout que nous encourageons ces mains invisibles qui travaillent, qui sont au front, en première ligne. Les infirmières, les nettoyeurs des salles, ceux qui vont nettoyer les rues, la police, la gendarmerie, les militaires qui sont au front, eux aussi ont des familles. Eux aussi peuvent tomber malades. Et puis donc quand on nous dit d'être disciplinés et de rester en place, c'est pour les aider à nous aider. Je vous en prie. Ok? J'ai cité, j'ai oublié ceux qui viennent fournir les marchés en nourriture. Ok? Pour qu'on puisse tenir. Les gars, il y a plusieurs personnes que j'ai pas citées. Mais toutes ces mains invisibles qui donnent leur vie pour que nous, on puisse survivre dans cette guerre. On a le devoir de les protéger en respectant les consignes de sécurité, de confinement. Donc, je compte sur vous. Si on vous dit de confiner, vous, je suis confiné à l'heure où je vous parle. Je me suis un peu habillé proprement pour vous parler. C'est une guerre contre l'invisible. Ceux qui ont la foi, qui sont des croyants, priez. Envoyez des vibrations positives. Ne paniquons pas, n'ayons pas peur, ne nous stressons pas. Parce que c'est beaucoup stressant. D'être là comme ça, on ne sait pas que faire. Entre le confinement et le couvre-feu, on ne sait pas. Alors, respectons ce qu'on dit, on ne sait jamais. Nous sommes la race de Dieu. Nous sommes plus forts que le démon. Vous m'avez compris? Que vous soyez croyant, païen, athée, c'est pas grave. Vous êtes des frères à nous. Et cette guerre, nous la gagnerons. Soyons solidaires. Et aux politiques, je vous demanderai de dire la vérité si vous pouvez. Je sais que vous avez peur de créer la panique. Mais vous aussi, vous êtes malades. Parmi vous, il y a d'autres qui sont malades. Ce mal est planétaire. Cet ennemi est invisible.
mais il est visible par tout le dégât, tout le méfait qu'il fait. Alors, je vous demande du fond de mon cœur, peut-être que je ne serai pas là demain. Manu Dibango, le grand frère, est parti. D'autres sont partis. Des milliers sont partis. Et je voudrais que ceux qui vont suivre les consignes, qui pourraient s'avérer efficaces, pourront peut-être témoigner de notre passage sur Terre. Je compte sur vous. Ok? Et en tant que musulman, on dit « La ilaha illallah ». « La ilaha illallah ». « La ilaha illallah ». Seul Dieu peut nous sauver et Dieu nous aidera. Allez, tenez bon les gars. Ok? Merci. I'm
Salut les gars, voilà, je suis Charlie Yuka, artiste, chanteur, producteur de musique. En cette période très très compliquée, difficile du coronavirus, j'essaie de vous dire, ne défiez pas les lois de la nature. Voilà, restons chez nous, restez chez vous, suivez les consignes, lavez-vous les mains chaque fois que vous quittez dehors. C'est vrai, on aime nos enfants, mais on n'est pas obligé de leur faire des bisous. C'est vrai, on aime nos époux, on n'est pas obligé de leur faire des bisous. C'est vrai, on aime nos amis, on n'est pas obligé de leur faire des bisous quand on se voit. D'accord? Pendant un bon moment, essayons d'appliquer ces consignes pour que demain soit beau. Voilà, c'est pour notre santé. Sors quand c'est nécessaire, ne sors pas parce que tu as envie de sortir. Sors juste pour aller chercher la pitance des enfants. Chercher à manger, sors parce que tu veux aller voir ton médecin. Mais après, ça reste chez toi. Mets tout chez toi et ça va aller. On va tenir encore quelques temps et je pense qu'on va éradiquer ce mauvais virus. C'est ma participation à moi. Faites de même. Charlie Yuka. Ciao. Opa Charlie Yuka. Oui, ma finache. Voilà ton gars. Audace Production. Quand vous dites Babi est le plus doux au monde, vous pensez que c'est un floco? Ça. Venez, vous allez prendre. Mettre ton asquamé. Mal doux. C'est pas floco, même quand t'as pas l'argent là, tu danses. Caroline da Silva. Abidjan est doux. Robert Brazza. Pas floco, même quand t'as pas l'argent là, tu bouges. Nous sommes tous dans le show. On est mélangés. Mélève. On sait pas qui est qui. On ne sait pas qui fait quoi. C'est qui est sûr, on est tous égaux. FBD. Papi est doux, tu ne peux pas me floco. DJ Killer. Maman, j'aime trop. Maman, à Jambo. Ici, on se soutient, ça chauffe même pas. La gauche est son busy, le monde en sur l'auto. Comme Jean-Baptiste, je vais les maquis. On se met bien en danse. Même quand tu n'as rien, pour toi elle peut sortir. Lieutenant Ifta, c'est à Babi, Abidjan, on voit tout ça. On n'a pas le temps, le show est lancé en route. Yves et Karim Sobo. Sopratoni, la main fantôme. Barthélémy Inabo. Pache. Eric Sekongo. Evedou Mouya. C'est tout comme tout. Serge Kama. Kaba Mignon. Pico Golini. Eric Kati. Docteur Akanasis. Charlie, viens mon gars, ce que tu dis c'est pas blanc. Ici à Babi, le mouvement est colo colo. Y'a vrai boron. Y'a Dabali, Antan, Mani, Yanga, Mousso, Pata, Jazz, le Kaka. Tous les morts sont en gras, tu découpes pas à santé là. Commandant Kofi Roger. Courriel Yao. Wazi Bonaro, Abidjan, Wazi Bonaro, Armel Conan, Wazi Bon, Wazi O, Wazi O, Wazi Bonaro, la Angelo Kabila, Kotoski la mafia, pas comme Yandere, ah ouais, Mucho de Lucas Sala.
Listen. Yo, Opa Charlie Yuka. Oui, ma finache. Voilà ton gars. Audace Production. Quand vous dites Babi est le plus doux au monde, vous pensez que c'est un floc, oh? Ça. Venez, vous allez prendre. Maître Thomas Kwame. Caroline da Silva. Robert Braza. Nous sommes tous dans le show. On est mélangés. On sait pas qui est qui. On ne sait pas qui fait quoi. C'est qui est sûr. On est tous égaux. Et vrai blédé. Ma vie est doux. Tu ne peux pas me flocon. DJ Killer. La gauche est son busy, le monde court sur l'auto. Comme Jean-Baptiste, je vais les maquiller. On se met bien en danse. Même quand tu n'as rien, pour toi peut sortir. Lieutenant Ifta, c'est à Babi, Abidjan, on voit tout ça. On n'a pas le temps, le show est lancé en route. Yves et Karim Soko. Son patron est la main fantôme. Congo, Evendou Mouya, Serge Kama, Kaba Mignon, Pico Golini, Eric Kati. Charlie mon gars, c'est que tu dis c'est pas blanc. Ici à Babi, le mouvement colo colo, y'a vrai boro. Y'a Tabali, Antan, Mani, Yanga, Mousso, Pata, Diaz, Reclaca. Tous les mauvais sont en grade, ils découpent pas à santé là. Commandant Kofi Roger, Courriel Yao. Armel Conan, Angelo Kabila, Kotoski la mafia, pas comme André. Venez rapidement en cause. Hey, Iron Man le punissait. Voilà, dames et messieurs. Demain, soyez prêts. C'est loterie. Ça, c'est pour un don à tous ceux qui sont intéressés d'avoir quelque chose. Parce que on est en confinement. Donc voilà, c'est un don qui sera distribué demain dans différentes communes dont je vais taire le nom. Voilà, si le camion passe dans ta commune que tu es intéressé, tu seras servi. Voilà, donc voilà, demain soyez prêts. C'est des pâtes, l'huile, savon et tout ça. Voilà. Donc, soyez prêts, le coronavirus tue. Voilà le camion de riz.
Champion, c'est combien de tonnes même, camion? C'est combien de tonnes, camion? En Côte d'Ivoire, c'est 1,8 tonnes. Ok. Donc, c'est les 1,8 tonnes, tranquille. Voilà le truc. Mais on va pas oublier de partager ça aussi. Vous voyez? Voilà. C'est des gants. Des gants. Et ça. Il y aura aussi du savon liquide pour se désinfecter les mains. Des cache-nez. Avec ça. Comme ce petit garçon-là, vous voyez? Voilà. On va vous distribuer ça pour prendre vraiment vos précautions face au coronavirus. Donc, apprêtez-vous. Demain, on va sillonner la ville. Voilà. Voyez ça. On est en encore au fond. Champion, viens me soulever un peu, filmer un peu, montrer à mes fans. Parce que, vraiment, affaire de corona, c'est pas amusement. On a des fans qui n'ont pas vraiment, vraiment les moyens. Non, fais-moi monter même. On a des fans qui n'ont pas vraiment les moyens de payer la nourriture, acheter la nourriture, pardon, pour rester à la maison, manger un peu, boire un peu. Voilà, c'est pour eux tout ça. Parce que vraiment, les Ivoiriens sont nos fans et ils font beaucoup aussi pour nous. Ouais. Donc, on se doit. Iron Man même en cache-nez. Oui. Et ça, là, c'est mes fans, c'est pas pour toi, et toi, Iron Man là. Quand il y a force à Corona, t'es moins bon. Lunettes. Ça rentre dans les yeux. Il y a lui, et puis la gants noire. Hein. Donc voilà, c'est les dons en train d'être déchargés ici, voilà. Tranquillement. Donc, demain, je vais sillonner Abidjan. Juste quelques communes, hein, parce que voilà, je fais à fond propre. Donc, tout Abidjan ne peut pas avoir. Voilà, mais c'est le geste qui compte, hein, les gars. Donc, voilà, c'est ma participation. Ma participation pour lutter contre le coronavirus. Voilà. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de moyens pour s'offrir tout ça. Voilà. Donc, rendez-vous demain dans différents quartiers. Donc, je vais tirer comme ça au choix. Voilà. Iron, viens attraper ça là un peu. Voilà, donc tu me prends. Voilà. Vraiment. Donc comme je vous disais, ça sera pour distribuer demain. Parce que là, là, j'ai fait des attards. Ouais. Et puis ça aussi sera distribué. Les gants, les cache-nez et ce savon là. Voilà, parce que il faut se laver les mains. Il faut faire tout. Tout ça. Donc, apprêtez-vous. Demain, il y a problème. Voilà. Ça sera distribué. Benjamin est venu. Vous voyez? Voilà. Ça sera distribué. Ah, ça c'est les spaghettis. Tout ça sera distribué. Sans oublier le cache-nez et le gant et le savon antibactérien. Avec sucre, il y a des sacs de riz derrière encore. Vraiment. Bon. C'est grave. Faut monter un peu. Monte. Okay. T'as les montrer. Je vous montre un peu. Voilà. Donc, c'est ça. En esprit, il y a des gens qui n'ont pas payé un peu tout ça pour rester à la maison dans le confinement. Donc, ça un peu à tous les. Voilà. Comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc, c'est comment? Donc, demain, soyez prêts. On voulait le faire aujourd'hui, mais il est déjà l'heure. Et puis il y aura le couvre-feu, ça à 21h, n'oubliez pas. Les fans, restez posés. Moi, mec, ils voient puis on vous supporte souvent. Ça me fait mal. Tu ne peux pas comprendre. Restez chez vous.
matin, tu as sorti, tu as fait un mouvement, quoi, 17h, 18h, tu es chez toi. Fais monter chez toi. Donc, ça sera partagé demain. Je voulais le faire aujourd'hui, mais il est déjà nuit. Il fait déjà nuit. Donc, on va partager ça un peu dans différents chassés pour que beaucoup de personnes aussi puissent avoir quelque chose. Donc, c'est pour les Ivoiriens, c'est pour ceux qui n'ont pas de moyens pour pouvoir rester en confinement à la maison, d'avoir de quoi manger un peu. Bien sûr, si tu es intéressé, quand on vient, tu viens vers nous, on va te servir un peu quand même. Si tu n'es pas intéressé, que tu te soucies déjà, c'est pas la peine. Donc, il n'y a pas de problème. Mesdames et messieurs, c'est un don. Il m'a vu dans le camion. Là, je crois que c'est bon. Donc voilà. Ce direct, c'est pour vous dire. Ce direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Parce que demain encore, il y a direct à partir de. D'ailleurs, qu'on dit 11h midi. Comme ça, nous, on commence le don. Donc, direct descend encore. Voilà. Pour soutenir, ça, c'est ma part de contribution pour soutenir toutes les victimes et même aussi sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Voilà. On va partager des gants, on va partager des cache-nez pour te protéger, on va partager des savons liquides. Dieu, il y a un savon liquide là-bas. Voilà. Voilà, savon liquide. Bon, c'est petit, hein, mais bon, vous êtes en tas aussi, hein, vous êtes beaucoup. Donc là, voilà. Hein. Voilà. C'est fait à fond propre. C'est fait à fond propre. Donc, bravo, bravo. Chacun va avoir un peu. Tout le monde ne peut pas avoir en tape. Ça va pendant un mois. Mais c'est qu'il y a tout ça. Vous lavez les mains. N'oubliez pas de porter les gants et de vous protéger contre les divisions. Le coronavirus. Merci, Bigo. Mon pro du Massaï, capitaine Sérégué, recevez ici le coup de poing de Jésus, le psaume 23 du coupé décalé. Franck Guessier, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mère de Dieu, Satan, j'allais fou d'aise. À cause de toi, mon entourage, mes amis résistent. Je n'ai jamais eu la joie de vivre, ni de profiter de la vie. Eh Dieu, pourquoi c'est nous les baillots? Pourtant, je n'ai jamais tué à l'église, je n'ai jamais volé Guélo, je n'ai jamais tué quelqu'un. Eh, ah. Seigneur mon Dieu, viens nous sauver. Dans le gamin, ma monde, et le gamin, mon bonheur, mon bala. Mes amis ont l'argent, mes amis ont voiture. Moi je n'ai pas. Mes amis ont maison, mes amis ont travail. Moi je n'ai pas. Mes amis c'est Marie. Je n'ai pas au quartier. Tous les mois c'est pas que moi je suis la risée de douceur. Tout ça parce que tu as bloqué mes doigts ou mes anneaux et je vais les bomber. Giovanni, le CPK, j'ai dit avancer. Bomber, Roméo, j'ai dit reculer. Maman n'a des gens de bien. J'ai dit avancer. Le père Sérité, j'ai dit reculer. Et tous les doigts ou délever les mains. Ah, chacun a qu'à bomber son doigt ou les rages sont trop beaux. Mais comme le Tout-Puissant nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, y'a fouille. Mes amis ont l'argent, mes amis ont voiture. Moi je n'ai pas aussi. Mes amis ont maison, mes amis ont travail. Moi je n'ai pas aussi. Mes amis et mari, mes amis ont enfant. Moi je n'ai pas aussi. Tout ça parce que tu as bloqué mes doigts ou mes anneaux si je vais les bomber. J'ai dit avancer. Sous les mains de Kamakate, l'homme saga. J'ai dit reculer. Bomber. J'ai dit avancer. Président Yves Cacao, le 4400. J'ai dit reculer. Mon pro Issouf Kone Welles. Génération consciente. Amos le pro. Kone Touré. Bambé. J'ai dit avancer. Bambé. Et Malouès. King Group Event. Chacun a qu'à bomber son doigt ou un. Voilà, c'est le Vatican, le coup de poing de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Sauve les trois. Patron.
Mes amis en maison, mes amis en travail. Mes amis c'est Marie, mes amis en enfant. Marcus y a fui de Paris. Tout ça parce que tu as bloqué mes doigts ou mais à nous y a de belles bombes. Allez les couilles, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Car vous savez que face à lui le diable peut rien créer. Il ne peut rien créer. Coach Frankie, on est ensemble chaque fois. Avancez, Bambé, Bambé. Bambé, Bambé, je dis régulé. Nanje Mao, rare la vie de la couronne à Birie, et Birie. Alors, non, les caquets, non, la vie, tu la baisse, les signalisons. C'est le mimi de volo, le gouvernement, chambre d'Afrique, maître, nous, c'est pas tant que t'as dit, bon, être là. Corona, t'as mon diable, pour être en voici, signa, pour ne manquer les veilleurs. Ouais, là, c'est mon cœur, il s'en allait, la même, ça a un guérissance. Ouais. Ça monte pas, ça descend pas. Les morts sont en train de faire des vidéos chez eux en pisant. Là, c'était pas quoi, il y a prévu les mouvements. Corona, ton bon Dieu, champion. Tu as dit de t'aimer les morts. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y aura même pas un mot ici dans Côte d'Ivoire. La chaîne de la vie. Donc, Corona, où tu as quitté la faute, restez là-bas. C'est parole de Mimi de Valo, le couvert du matin. Ouais, si confiné, eux, sont en carton. C'est nous, ça, voilà. Donc les parents me rappellent les mesures de sécurité, tandis qu'on est dans les hydroalcooliques, les cache-nez, les coins qu'on les lavements des mains, tu vois, un peu dans petit, voilà. On va dans les moments, c'est le Mimi de Valo le Koufa, champion d'Afrique, on dit le lui, ouais, c'est le lui. Je suis le seul, je suis le chef, les dangres, les pas, c'est moi qui parle de ça, et puis rien. Il s'est talent encore volé, qu'il y a les fans dormir, il a dormi sous, voilà. C'est le Mimi champion d'Afrique, tu sais qu'à Chogan Tchanko, hein. Mon ami à Kourouna, fais attention, fais attention. Balancez ma vidéo, ça va partir partout. C'est nous, si à gang, t'as dit qu'on est trop dans Tchanko. Après, que du sol, il y a ton accouillé, après, ton accouillé, il y a la danse des Maasai. Vous accélérez, non, hein. Tous contre un. Mais un contre eux tous, ils vont prendre trois de draman. Anchan, considère-moi. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. C'est ma vidéo du matin. Et Dieu créa Mimi. Qui m'appelle? Yeri, qui m'appelle? Mama, 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 mama
Monsieur. Son Excellence Koulibaly Ahmed Bakayoko la CPR. Guillaume Soro. Ça c'est passé, hein. Sachez que le mal est réel et nous devons prendre nos dispositions pour sauver des vies. Par conséquent, respectons les consignes données par les autorités. Le coronavirus COVID-19 est réel. Sora la resambisi tirkol tama sabni bayoka senke ton tengaya kiti dunia fa ya pelen hika radik mande mbumye nadik man sam samye fo safan da ba fo yuka ba diril gir menga sambisi Mon soeur en Pocouni le coronavirus. Pousse pour moi. Trois gigamites. Balunga dirara ungweni coronavirus demai ambiane nereke for doni tibisno nihina mona choni sido sepunune afoka sepunu awele kora jiteka sedo de niget girdani anekanka namforka bana sini al safan anahulana nye anachona nye
ni na hera bo fo dru ulko na dora tuno ya telu alumani bana juguni kame oko corona viri wate demi senito kate face to kate famoso to kuno te kame telu ma waya tige go kanu sirini musoro di kasi kinyo mo ka chama temi yoro la teri ayolu davila Taino kabusraba, corona virus gara sa tomulo. Iwahiri safana kie, abihira kukie. Tu sais, ce n'est pas la politique, mais une question de santé publique. Elle est triste et bien réelle. Devant les êtres humains, sans distinction de religion ni de race. Aujourd'hui, il faut que notre comportement change. Nous ne devons ne rien prendre à la légère. Nous devons prendre soin de chaque détail. Je viens d'arriver. Je ne sais pas ce que j'ai touché. Donc, mes mains sont sales. Qu'est-ce que je fais? Je ne touche même pas ça aussi avec ma main. Parce que c'est probablement infecté par d'autres gens. Je prends un mouchoir. Comme ceci. J'ouvre, je fais couler l'eau et puis je jette dans la poubelle. Ensuite, je me sers d'un savon médical, Sabuni, Puyo et le Molakaba bactéries, microbes. Je suis un peu malade. Je suis bien malade pour mon arbre. Sérieusement. Vie à moto, vie à Congolais, vous allez vivre à Congolais. Vraiment sérieusement et sérieusement. Comment tu me choisis? La panne aussi. La panne aussi. Après, ici j'ai l'embouté. La juicicoyo. Désinfectant. Ils ont été comme les belles partout. La tienne à ma boko. Parce que la coquille coutique a les cornes de sous-souté. Et puis, voilà. Azui, Anani. Ce qui est solo, Tolingani, ce qui est Tolingagambo, Canabiso, il faut tout ça la boue. Bamote et Maboko, c'est fini. Kakamoa boue. Et puis, si figure, bonjour. Et puis, si on soit la moninga, Bazolo, 1 mètre, mais on a aussi un appelé 2 mètres. Ce qui m'a dit, bolingo beta dame, bolingo beta scrabble, bolingo sala sorini, bolati ba masque, binomi bali. Ne bongo toko se sauve. Tous en a ba hôpital, l'okola ba italien, te ba français, te ba chinois, te ba américain. Donc la discipline, ne toko s'en sortire. Ce qui m'a dit, zali, tout va dans la bisou na bandako. Tout bimate pour virus, on est au lande la batou na balabala. Tout va dans la bisou na bandako. Mais aujourd'hui, microbe, aujourd'hui, malade, aujourd'hui, coronavirus. Le colo, yangombe, au salon, on le soumini après une semaine, deux semaines. Mieux vaut zalananda qu'on a yo et sans coronavirus. Merci beaucoup, Bandeko. Tolingana. Faites un coup pas web. C'est ça ou voulez ou faible. Ou vie retourner. Ou voulez prendre l'autre chemin. Comme si me sont sans demain. Ouh, mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas trouvé ta place. C'est
bago tem ret nan chemam. Si bago tem fem konen. Ou mette mwen a refleji. A refleji. Ou mette mwen. 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 Ou pa ka kompran. Sa m gen nan kèm pou. Si se pa mwen ki di. Mwen vle chèche konè. Ki jan de moun nou ye. Avan pou m di ou. Ke mwen remè ou. Bébé. Mwen kwè chéri. Mwen fou pou ou. Mwen kwè chéri. Mwen fou pou. Chérie, moi fou. Ouh, 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 ouh. Voilà ça. Moi quoi chérie, moi fou pour vous. Moi quoi pour vous. Moi quoi pour vous. Moi quoi chérie, moi fou pour vous. Na 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 na. Pour vous. Pour vous. Pour vous. Qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Satisfaisant sur les patients atteints du COVID-19. Ceci témoigne encore une fois de la grandeur du génie béninois. Suivons cet élément. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Dr. Valentin Agon, directeur général de Happy Bénin, qui est une industrie pharmaceutique qui produit des phytomédicaments au Bénin. Et je suis également directeur général de Happy Pharma, l'institut para-universitaire de recherche et développement en santé et en industrie situé à Kana, au Bénin. Alors, à votre question concernant ce que la presse dit sur Happy Virine, qui guérit actuellement des malades au COVID-19 au Burkina Faso, je le confirme. En effet, il y a de cela deux semaines, mes camarades de l'université de Burkina Faso, mes universitaires, des chercheurs comme moi, m'ont appelé et m'ont dit qu'il y a l'un de nos patrons et qui serait malade, un Français qui serait malade de coronavirus. Donc on m'a appelé et j'ai envoyé par les cars qui quittent Cotonou pour Burkina, j'ai envoyé quatre boîtes de Happy Virine. Et arrivé au Burkina Faso, ils les ont réceptionnés. Et en même temps, le jeudi 12 mars, ils ont mis le malade sous Happy Virine avec 3 gélules x 4 par jour. Le lendemain, ce malade à la veille qui ne pouvait pas prendre son propre verre sur la table, qui n'avait plus d'énergie, qui était très fatigué, a pu se lever de son lit. Et puis, il a aussi pu faire son petit déjeuner. Il a aussi fait du vélo dans sa maison. Et donc, lorsqu'ils m'ont donné ce témoignage, j'ai dit, ben, est-ce qu'il est vraiment positif au coronavirus? Et bien, quelques minutes après, le soir, ils m'ont envoyé la confirmation que ce malade est bien sûr positif au COVID-19. Alors, j'ai immédiatement écrit à notre ministre de l'enseignement supérieur, Madame Éléonore Yahi, pour lui dire que c'est ainsi qu'on me demande au Burkina Faso que je vais me rendre et je lui rendrai compte.
Et donc, j'ai pris le premier avion le samedi qui a suivi, samedi 14. J'ai pris le premier avion de Cotonou, Air Burkina. Arrivé ici vers 14h-15h, nous avons été directement à l'hôpital et on a transmis, on a complété le médicament à ce malade. Alors le malade nous a dit, parce qu'on n'accède pas au malade, pas personne interposée, que sa femme est aussi malade et son fils est né. En tout cas, 11 personnes dans sa maison étaient aussi malades de COVID-19. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons déposé les produits à leur portail et ces malades se sont envoyés un enfant chercher les produits et ils se sont mis sous apivirine. Eh bien, le lendemain, nous avons eu beaucoup de témoignages, la toux a disparu, les fatigues ont cessé et tous sont positifs. Dans sa maison, nous avons remis au total apivirine à 11 personnes dans la maison du premier malade. Et donc, tous ceux-là sont bien portant aujourd'hui et vont très bien, juste après 5 jours de traitement. Et il y en a qui sont devenus même négatifs au COVID-19. C'est ainsi que ça s'est passé. Et puisque j'ai été formé au Burkina Faso, j'ai adressé immédiatement une lettre au président de l'université de Ouagadougou, qui est l'université Kizerbo. Et le vice-président m'a reçu immédiatement dans son bureau avec mes anciens formateur et nous avons mis une équipe sur place et nous avons demandé une audience auprès du ministre de l'enseignement supérieur de Burkina Faso et de la recherche. Nous l'avons eu rapidement, le même jour le ministre nous a appelé et puis on a été le rencontrer le mardi là et il nous a écouté de long en large. Le même jour le ministre a mis sur pied un comité pour l'étude clinique pour confirmer ce que j'étais en train de lui dire. C'est ainsi que le lendemain, le mercredi qui a suivi, on a fait une réunion entre universitaires et on a mis en place, on nous a reçu à l'IRS, c'est-à-dire à l'Institut de Recherche en Sciences de Santé au Burkina Faso, dont le directeur s'appelle Sylvain Ouidrago. Il a invité tout le monde, tous les corps, médecins, infectiologues, pulmonologues, tout le monde était là et tous ceux qui passent dans le combat contre COVID-19. Donc nous étions tous réunis à l'IRSS et nous avons alors mis sur pied un comité technique et que nous avons fait voyager à 100 km de Ouagadougou pour se concentrer pendant 4 jours et ils ont écrit le protocole d'essai clinique de apivirine sur le COVID-19. Alors, après avoir fait les 4 jours, ils sont revenus. Mais pendant ce temps, moi, j'ai donné déjà de médicaments à beaucoup de malades qui passent par des autorités pour venir prendre. Et puis, ça marchait très bien. Donc, vu cela, le ministre disait qu'il faut que ça avance vite. C'est ainsi que plus d'une vingtaine de personnes ont pris apivirine, des personnalités de toutes les catégories, hein, tout le monde, hein, parce que apivirine est facile à prendre et puis c'est une boîte de 40 gélules et les gens prennent 3 gélules fois 4 par jour et puis les résultats, au lendemain on voit les résultats, ce n'est pas marchandé. Et donc c'est comme ça que ça a été, hein. Et à votre question, est-ce une nouvelle invention? Non, c'est toujours apivirine qui a été inventé il y a 20 ans, qui est objet de 6 brevets. Nous avons fait le brevet européen, le brevet OAPI, le brevet canadien, le brevet Aripo, les 27 pays d'Europe, nous avons des brevets partout là. Et donc c'est ce produit que nous avions utilisé contre le sida, ce même produit que nous avons tenté contre le COVID-19 qui a marché. Et donc nous avons réactualisé ce produit et présentement nous avons renforcé même et sa concentration moléculaire pour frapper terriblement le COVID-19 qui fait peur au monde entier. Et donc voyant tout ça là, le ministre a décidé de faire une sortie public hier. C'est de là que vous avez reçu ce communiqué qui a donné tout ce que vous avez entendu. À la question 4, comment est-on arrivé à tester l'efficacité de ce produit sur les malades? Eh bien, écoutez, quand des autorités, des personnalités de haut rang, des gens de marque dans ce pays ont touché au produit et ont remarqué, je vous informe que la première personne traitée, c'est un Français, hein.
C'est un ressortissant français qui vit au Burkina Faso et qui s'est marié au Burkina Faso et qui était malade et qui a été traité. Donc lui, il a informé tous les Français qui sont au Burkina Faso. Donc je traite avec beaucoup de gens venus de France et c'est comme ça que ça a évolué. Et comme des personnalités, des gens de toute marque ont touché au produit, c'est comme ça que c'est allé. Et donc maintenant, dans un cadre scientifique, un comité est mis en place pour que l'on évalue scientifiquement la force de frappe de ce produit qui a déjà fait des merveilles ici au Burkina Faso. En ce qui concerne votre question liée à l'OMS, ce sont les autorités burkinabées et béninoises qui vont faire monter la chose au plus haut niveau parce que moi je refuse que le coronavirus tue ici au Bénin, ici en Afrique, au Burkina. Non, il ne doit pas nous tuer. C'est nous qui allons le tuer. Les autorités du Bénin, et vous demandez est-ce qu'ils sont informés? Très bien. Ils sont bien informés parce que les autorités sont très bien informés parce que avant que je quitte le Bénin, j'ai saisi d'abord mon ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre de la Recherche. Vous savez, moi, je relève de trois ministères. Je relève de l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en tant qu'universitaire moi-même et en tant que chercheur. Et ensuite, je suis aussi de l'autorité du ministère de la Santé en tant que fabricant de produits et aussi, je relève aussi du ministère de l'Industrie en tant qu'industriel. Et voilà. Donc, j'ai informé le ministre de l'Enseignement supérieur qui communique tous les jours avec moi. Et ce qui a été vraiment merveilleux est que elle transmettait en même temps les informations au gouvernement et au comité interministériel. Donc tout va bien. Et donc le ministre de la Santé étant informé, il m'a aussi appelé ici au Burkina Faso et tout marche bien. Ce que vous devez savoir, ce que je fais ici est à la fois pour le Bénin et pour le Burkina parce que l'essai clinique que nous faisons ici sera fait sur deux sites. Le site burkinabé et le site béninois. Et le ministre de la Santé du Bénin est en relation avec les ministères au Burkina Faso et entre les deux états, ça se discute très bien. Donc, soyez fiers, soyez tranquilles et vous verrez les résultats bientôt. Alors, vous dites, si je souhaite que le traitement soit utilisé au Bénin, mais c'est déjà ça, c'est un produit du Bénin d'abord, avant d'être le produit d'Afrique. Donc, c'est d'abord pour les Béninois. Et les produits d'avenir, c'est avancer, produire. Nous avons le projet maintenant de produire entre 300 000 doses à 10 millions de doses. Et cela nécessite beaucoup de moyens. Donc, je compte sur mes autorités au Bénin. Et nous mobilisons déjà pour une production massive de apivirine pour aller très loin. Donc, retenez que le Bénin est avec moi, le Burkina est avec moi, les autorités sont avec moi, nous sommes unis dans le même combat. Alors, l'appel aux autorités, non, les autorités sont déjà avec moi, je n'ai pas besoin de les appeler. Et ils sont avec moi, nous travaillons de main unie, nous sommes ensemble et nous allons vaincre ce fléau, cette fatalité-là, nous allons la vaincre et réussir depuis le Bénin. Ce dont je suis fier est que face à une pandémie mondiale, depuis le Bénin, nous avons une solution et cette solution ira partout au monde pour sauver les Italiens, les Espagnols, les Chinois, les Américains et partout au monde, on va utiliser Apivirine qui est rebaptisé Apicovid-19. Voilà mes amis, chers frères et sœurs béninois, soyez en fiers et soyez calmes. Le Covid-19 ne tuera pas les Béninois. Nous allons le détruire, le vaincre et le bouter dehors. Respectez les principes, respectez tout ce que les autorités disent. Ne saluez plus personne main dans la main, évitez que des gens tous soient au milieu de vous et restez chez vous, éloignez-vous de tout malade. Mais s'il y a un problème, je pense que le ministère de la Santé vous saisira pour les soins. Je vous remercie et très très bonne journée au Bénin. Je vous ai parlé depuis le Burkina Faso. C'est Dr Valentin Agon. Merci.
Le ministère burkinabé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a annoncé jeudi 26 mars 2020 l'efficacité de l'apivirine, un antirétroviral fabriqué par le Béninois Valentin Agon sur le coronavirus. Lueur d'espoir dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Selon le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation du Burkina Faso, un produit du Béninois Valentin Agon promet. Il s'agit de l'antirétroviral apivirine. Certains malades confirmés du COVID-19 ont déjà eu recours avec succès à apivirine durant leur traitement. Ils ont tout de suite obtenu l'amélioration de leur état de santé, a informé le ministère dans le communiqué ce jeudi 26 mars 2020. Contacté par les confrères de Banuto, le chercheur béninois confirme l'information. Valentin Agon confie qu'une vingtaine de patients atteints du coronavirus ont déjà eu recours à son produit. Il dit être fier en tant que Béninois de contribuer à l'amortissement de ce mal qui secoue le monde depuis décembre 2019. Depuis l'apparition du Covid, c'est toute la communauté scientifique qui est mise en branle, d'où la mise en place au Burkina d'une commission ad hoc par le Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation. Les concertations ont finalement abouti à la mise en place de deux essais cliniques, l'un constitué d'une association de la chloroquine et de l'azithromycine et l'autre un remède traditionnel, un phytomédicament venu du Bénin. Des essais qui seront soumis au comité d'éthique dès demain. Nous voyons cela avec Idrissa Warga et Christine Koulibaly. Dans la riposte contre le COVID-19, deux essais cliniques seront menés au Burkina Faso. Le premier avec la chloroquine associée à l'azithromycine qui seront administrés aux patients à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Le deuxième essai, à ce niveau-là, il s'agit donc de faire des essais cliniques sur 64 malades, deux groupes de 32. Le premier groupe de 32, on va administrer l'apivirine. L'apivirine qui est un produit antirétroviral, mais aussi antiviral. C'est des phytomédicaments qui ont été développés au niveau donc du Bénin. Et lorsqu'il y a eu les premiers cas, il y a des malades qui ont eu recours à l'apivirine qui est venue du Bénin. Et donc on a constaté effectivement une amélioration de leur état de santé. Mais pour passer à une utilisation massive de ce produit-là, on a décidé de mettre au point donc un essai clinique qui va nous permettre donc d'aller sur un groupe avec l'apivirine. Et un deuxième groupe avec la chloroquine. À la question de savoir comment se fera l'approvisionnement en chloroquine disparu des rayons des pharmacies, le professeur Alkassoum Maïga rassure. Nous disposons aussi d'une unité e-pharma pour donc la fabrication, la production des comprimés. Et à l'occasion du Covid-19, nous avons décidé d'activer ce e-pharma. Parce que comme la chloroquine n'était plus utilisée, e-pharma ne produisait plus ce type de comprimés. Mais nous avons décidé de réactiver ça pour qu'on ait une capacité de production du paracétamol et de la chloroquine. Au cas où donc, nos essais s'avéraient concluants, le Burkina a les capacités de produire sur place le paracétamol et la chloroquine à travers donc, les laboratoires donc, et les unités de production de l'IRSS. Au plan national, des produits de tradis praticiens sont signalés. En attendant des investigations nécessaires, les deux essais qui se veulent dynamiques seront soumis dès demain vendredi au comité d'éthique pour avis. Le COVID-19 dans les griffes de l'apivirine. C'est ce qu'on pourrait bientôt dire avec la solution proposée par le Béninois Valentin Agon. Sur le champ de bataille contre le COVID-19 au Burkina, il combat ce qu'on pourrait appeler le mal du siècle, avec en 3 mois plus de 20 000 morts de par le monde. En ligne depuis le Burkina Faso, il répond aux questions de Romuald Vissa, Vital Ahotondji et Serge David Zouemé du journal spécialisé Éduc'Action. Valentin Agon, bonjour. Quand nous avons déposé le brevet, le 11 décembre 2002, nous avons changé le nom en apivirine.
C'est comme ça que ça a évolué, ça a été toujours. Et puis, donc, quand cette maladie s'est déclenchée, nous avons décidé de l'essayer, de tester. Et voilà. Et alors, ça a marché. Autrement dit, donc, c'est depuis 2002 que vous travaillez sur ce médicament spécial. Oui, depuis 20 ans. Est-ce que vous avez pensé ou bien imaginé un instant que ce médicament pourrait sauver l'humanité à un moment comme aujourd'hui où le coronavirus est en train de détruire la Terre? Non, étant bien formé en matière pharmacologique, je sais que, puisque en étudiant à Pivirine il y a 20 ans, à l'Institut Pasteur de l'Institut de Virologie à Strasbourg, sous la réserve du professeur Aubertin, nous avons remarqué que ce produit à Pivirine ciblait plusieurs virus. Par exemple, le virus de la rougeole, les paléovirus, il y a plusieurs virus. Je peux vous envoyer une liste là. Il y a au moins 9 virus et 18 bactéries que la pivirine élimine. Et donc, même si on a la grippe, on prend 2-3 gélules de la pivirine, on est guéri. Je me suis dit, dès que le truc a commencé, la pandémie a commencé en janvier, je m'étais dit, tiens, peut-être que la pivirine pourrait décoder ce coronavirus. Et c'est pourquoi j'attendais de trouver l'occasion pour l'essayer. Et j'étais là il y a 2 semaines. L'un de mes camarades de l'université de Ouagadougou m'a appelé, m'a dit que son patron français est malade, incapable de se lever et incapable de prendre même son verre sur la table. Et j'ai envoyé par les véhicules qu'on appelle TCV là, rapidement sur Burkina Faso. Vous me suivez? Oui, je vous suis, allez-y. J'ai envoyé rapidement 4 flacons, 4 boîtes de la pivirine. Et puis le lendemain, m'a dit, ben, il s'est levé, il a retrouvé son énergie. La fatigue est partie et puis il se sent très bien. J'ai dit, ah bon, dis-moi, donne-moi son test de coronavirus, est-ce qu'il est positif? Il me dit de l'attendre, que le test se fait à 300 km d'ici, à propos de Lasso. Mm-hmm. Et on a attendu, et le soir, il n'a pas pu me transmettre le test, mais le samedi matin, 14h20, il m'a transmis le test, que le gars est positif. Alors j'ai dit, alors, donc le coronavirus est sensible à Pivirine. Et je prends immédiatement l'avion pour arriver. Et donc, je suis arrivé, j'ai été à l'hôpital là-bas. Comme on ne doit pas accéder aux malades, je suis resté à distance, donné les produits, et on a distribué à des malades, ainsi de suite. Et le malade qu'on avait traité, là, il a 11 autres membres de sa famille à la maison. Et on a donné des produits à tous ceux-là, parce que la plupart étaient malades aussi. Et on a eu des améliorations, des effets partout, jusqu'au point où les gens sont devenus négatifs au coronavirus. Est-ce que vous avez travaillé outre mesure sur le produit qui existait avant, à partir de la crise, ou c'est exactement le même produit que vous avez juste administré aux patients? Dès qu'on m'a parlé de la sensibilité, j'ai demandé à ce qu'on me concentre. Donc tout ce que j'ai reçu après là, ces doses étaient plus concentrées et que les autres qu'on utilisait couramment. Quel est le principe actif vraiment que vous sur lequel vous avez concentré le produit aujourd'hui qui répond ou qui est sensible au coronavirus? Chez nous, quand nous faisons l'extraction des plantes, nous avons la capacité de décoquiller les grandes familles. Mm-hmm. Les grandes familles que nous avons extraites. Et ici, pour Apivirine, voici les grandes familles qui sont les plus importantes dans l'action antivirale ou anti-coronavirus. Je vous lis, c'est dans la notice. Les grands principes dont je parle là sont en majorité les terpènes, les saponosoïdes, les stéroïdes et l'ensemble de ces familles-là avec les flavonoïdes là, qui sont ajoutés aux tanins, qui sont tous antiviraux, donc agissent en synergie contre le virus. Et il y a plusieurs virus que nous combattons, je vous l'ai dit, et parce que quand j'étais à la phase internationale il y a 20 ans, dans la recherche contre le VIH là, ils ont remarqué que Apivirine était capable de neutraliser plusieurs autres virus. Mais moi j'ai réclamé la revendication concernant le VIH et les autres virus de la grippe. Donc ce sont ces familles, ces 4-5 familles-là qui agissent en synergie et qui neutralisent les virus circulants. Monsieur Valentin Agon, en fait aujourd'hui, oui. En termes de plantes médicinales, quelles sont les plantes que vous avez utilisées dans votre recherche qui agissent vraiment sur le coronavirus? Nous avons travaillé sur 40 plantes.
Et dans les 40 places, nous avons, quand on avait travaillé le professeur Toyon de l'hôpital de Gourou en son temps, et c'était sur 40 places. Et quand il a été affecté à l'université de Parakou, nous avons continué. On a divisé le nombre de plantes là en deux. Et de division en division, nous étions arrivés à 5 plantes principales. Eh bien, comme c'est sous-levé, je ne vous donne pas trop de détails, parce que ce que vous avez besoin, ce dont on a besoin, c'est le produit, c'est le préservatif, ce n'est pas les plantes directement. Aujourd'hui, est-ce que votre laboratoire est capable de fournir en stock vraiment à Piviril, à toute la communauté malade? Au moins, nous avons deux grands blisters qui fabriquent 8 plaquettes à la minute. 8 plaquettes à la minute. Et c'est 4 plaquettes par apiviline, par boîte d'apiviline. Donc nous fabriquons 2 boîtes d'apiviline par seconde. Vous voyez? Donc 2 fois 60 par minute. Là, ça fait 120 boîtes d'apiviline par minute. Et vous voyez combien nous allons faire en 1 heure, en 2 heures, en 10 heures, alors que nous travaillons à 16 heures sur 24. Mais vous êtes béninois, monsieur. On appelle cela à lancer une production de 300 000 à 10 millions de doses. C'est ce que nous voulons faire. Et est-ce que les autorités béninoises vous appuient dans cette lutte? Est-ce que vous avez envoyé vos médicaments en test au cas détecté à Cotonou au Bénin? Vous savez, je suis en étroite relation avec les autorités. Parce qu'avant de quitter le pays, j'ai appelé madame le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, madame Yahi Eleonore, et on a communiqué. D'avoir suivi ça. Et aussitôt, elle a transmis mon message au comité interministériel et le ministre de la Santé m'a appelé. Donc, l'essai qui se fait maintenant ici au Burkina est sur deux sites, le site du Bénin et le site d'ici. Donc, Afibilin sera utilisé pour les malades de Cotonou et pour les malades de Burkina Faso. Est-ce que c'est déjà utilisé pour les malades du Bénin? Non. Le ministre a reçu le protocole que hier. Donc le ministre a appelé ce matin le ministre de l'enseignement supérieur et les autorités de santé de Burkina Faso. Et donc ils sont en train d'installer le pont entre le Bénin et le Burkina Faso, malgré la fermeture, des experts vont quitter le Burkina pour aller installer ce que nous avons fait ici au Bénin là-bas, d'ici quelques jours. Alors, M. Agon, Apiviril se présente comme une gélule ou bien une solution buvable? Donc, c'est un gélule, c'est 4 plaquettes de 40 gélules. Alors, est-ce que Apiviril intervient dans un protocole de guérison ou on utilise Apiviril seul dans le processus de guérison? C'est Apiviril seul. Et mais dans le protocole que nous sommes en train de lancer ici, c'est un protocole à deux bras. C'est Apiviril avec les paracétamol, tout ça. Parce qu'il n'y a pas de médicaments qu'on utilise contre le coronavirus maintenant. Hein. Et donc, pour les directives nationales, c'est les directives nationales comparées à Apiviril, dans un premier temps. Et dans la deuxième et troisième semaine, on va utiliser Apiviril comparé parallèlement à chloroquine, parce que les gens parlent de chloroquine qui serait aussi utile. Et donc, on veut comparer chloroquine et Apiviril. Et Apiviril et la directive nationale. C'est ce qu'ils ont fait ici. Donc, c'est la même chose qui sera faite à Cotonou. Est-ce qu'il y a des extraits? Est-ce qu'il y a des extraits de la chloroquine, comme le Verdonia et autres, qui participent au protocole de Apiviril? Non. C'est la chloroquine seule qui veut l'utiliser en deuxième temps pour voir, non pas mélanger Apiviril et chloroquine. C'est un nombre 32 malades sous chloroquine et 32 malades sous Apiviril et on compare les résultats. C'est ça la comparaison. Okay. C'est une étude randomisée. En termes de statistiques aujourd'hui, Apiviril a été testé sur combien de patients au Burkina Faso? De façon aléatoire, c'est plus de 20. Et avant-hier, on a encore donné Apiviril à plus de 15 personnes. Donc, on a déjà dépassé les 35. Mais dans le protocole à exécuter présentement, c'est 64 malades qui seront soumis à Apiviril. Il faut attendre combien de jours pour avoir des résultats? C'est les deux semaines à venir pour avoir les résultats officiels. Ok. Il y a le J3, le J0, le J3, le J7 et le J14. Okay. C'est-à-dire, après le troisième jour, les effets doivent déjà disparaître. Le deuxième jour, on doit commencer par chercher à voir si la personne est négative. Et après le 14e jour, ça doit être totalement fini, il n'y a plus rien. Est-ce qu'en termes de sécurité, vous n'avez pas peur pour votre vie? Mais écoutez, on est une seule fois et on meurt une seule fois. Et dans cette vie-là, il faut se battre pour l'humanité.
Et moi, je me bats depuis plus de 20 ans pour l'humanité. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait des brevets. Ce n'est pas pour rien que j'ai conduit deux études universitaires à haut niveau jusqu'à faire deux doctorats. Et donc, c'est pour me battre pour l'humanité. Et donc, c'est un honneur et c'est une dignité de se battre pour l'humanité. Quand on se bat pour l'humanité, Dieu vous protège. Une dernière question. Il y a combien de nationalités qui ont travaillé sur APV? Parce que quand je vous écoute, c'est depuis 20 ans que vous avez fait ce produit-là. Et combien vraiment de nationalités ont participé à cette recherche-là? Oui, j'avais travaillé sur la pivirine avec les Canadiens, avec les Cubains, avec les Français, avec les Belges, avec le professeur Sangaré au Burkina Faso et avec le Béninois Toyon Francis de l'Université de Dabobé-Calabi. Même Takara. Takara était un peu lié à la pivirine en son temps. Voilà, donc c'est le brevet national. Donc le brevet de la pivirine est partagé par tous ces continents. Non, le brevet de la pivirine est la propriété du Bénin. Ben, oui. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Agon, merci et bonne suite à Baga. C'était Valentin Agon, responsable des laboratoires API Bénin et API Pharma depuis Ouaga, la capitale burkinabé. Il répondait aux questions de Éduc Action. On peut donc dire qu'une lueur d'espoir s'annonce dans les ténèbres du Covid-19. Et puisqu'on parle de la chloroquine, c'est le résultat auquel ont abouti des chercheurs de l'université de Lubumbashi il y a de cela quelques années. Ils ont proposé un traitement au coronavirus en deux phases, la phase préventive et la phase curative. Parmi les chercheurs qui ont pris part à ces études, il y a le professeur Lundu Anzuel. Philomène, nous l'avons joint depuis Lubumbashi. Elle est au téléphone de Rachel Kitita. Nous avons mis sur place un protocole qui combine les interférons de type 1, c'est-à-dire les interférons alpha et bêta, et les interférons de type 2, c'est-à-dire les interférons gamma, la chloroquine et ainsi que les antioxydants. Et je dois vous dire que ce protocole-là date de très longtemps, c'est un protocole que nous avions conçu à l'époque depuis 2012, qu'on a d'abord essayé d'utiliser sur le VIH. Nous avons mené une petite étude là sur le VIH qui nous a donné des résultats très spectaculaires. Au bout de 45 jours, on a vu ces patients qui étaient en échec thérapeutique avec des charges virales vraiment indétectables. La particularité de notre protocole, c'est quoi? Nous avons deux schémas thérapeutiques. Nous avons un schéma préventif et nous avons un schéma curatif. Le schéma préventif concerne les personnes qui sont asymptomatiques et sans. Et quelles sont ces personnes asymptomatiques? Surtout le personnel médical qui reçoit tous les malades. Et ainsi que les personnes qui sont en contact avec les personnes malades. Et là, nous avons proposé un schéma qui combine l'interférence soit alpha ou bêta, selon la possibilité qu'on aura. On ajoute aux interférons la chloroquine ainsi que les antioxydants. Maintenant, pour le traitement curatif que nous appelons post-expositionnel, là, nous combinons aussi plutôt trois sortes de molécules. Nous avons l'interféron alpha, l'interféron gamma, la chloroquine et en fait ces quatre molécules et les antioxydants. On le prend en même temps, pendant 10 jours. Mais pour le protocole en pré-exposition et les chemins en pré-exposition, là, il faut 5 jours. On prend d'abord les interférons et les antioxydants et après, on va appliquer la chloroquine pendant 3 jours. Voilà ce que nous avons fait. Et je vous dis aussi que le professeur et mon collègue, mon maître, le professeur Kualanga, est venu à Kinshasa à l'université de Lubumbashi, a présenté d'abord le 25 février le protocole aux membres du décanat de la faculté de médecine. Et ensuite, le 27 février, il a encore présenté le protocole maintenant à une assemblée un peu plus élargie, avec beaucoup d'autres professeurs des autres départements au clinique universitaire dans la salle de pédiatrie. Et moi-même, si vous parle le 21 février, j'ai transmis le protocole, donc la conférence que nous avons tenue sur le protocole-là, au professeur Sibanda, qui est aussi membre du département de médecine tropicale et de maladies infectieuses et tropicales, donc de l'université de Kinshasa. Alors, nous sommes quand même déjà contents du fait qu'ils utilisent déjà
notre protocole, ils ont pris la chloroquine et les antioxydants. Ils ont ajouté la zithromycine, qui est un antibiotique qui lutte contre les infections bactériennes en cas de pneumonie due à une surinfection bactérienne. Et ça, c'est le professeur Raoul de Marseille qui a mis ça dans son protocole et ils ont ajouté ça dans notre protocole. Mais ce qui est bien, mais là, ça concerne seulement les malades qui ont des problèmes de contact de pneumonie. Et au cas où l'Organisation mondiale de la santé ne valide pas la chloroquine, le professeur Philomène Lungu fait savoir qu'il existe une molécule de rechange. Suivez. Aujourd'hui, j'ai suivi depuis hier que l'OMS déconseille la chloroquine. Et je ne sais pas pourquoi il déconseille la chloroquine, mais la chloroquine, c'est une molécule qui a été bien sûr soutirée de notre pharmacopée ici pour lutter contre le paludisme, mais ailleurs on l'utilise. Et même ici, on l'utilise pour d'autres maladies, par exemple pour le lupus érythémateux disséminé, contre les cancers, on l'utilise. Et nous avons détourné cette molécule pour l'utiliser contre le virus, les maladies virales que je vous ai citées, le Covid, le virus Ebola, ainsi que les hépatites. Mais si on insiste qu'on doit enlever cette molécule. Nous avons une autre molécule de rechange qui a le même effet exactement comme la chloroquine, que je ne peux pas décliner le nom, mais la molécule existe. Non, mais ça sera utilisable pour tout le monde si nous donnons cette molécule. Là, comme la molécule a le même effet, les mêmes actions sur le système immunitaire comme la chloroquine, elle devra être utilisée par tout le monde. L'université de Lubumbashi, vous le savez, a organisé plusieurs conférences, plusieurs colloques dans lesquels elle tenait à présenter sa part pour participer à l'urgence de trouver des solutions par rapport à la pandémie en question. Et ayant fait sa part, elle est donc partie prenante à la prise en charge des mesures que le chef de l'État a prises au sujet des ripostes possibles par rapport à la détresse sanitaire. Et ces mesures ont été de toute façon bien relayées par le gouverneur de la province, en ce compris les mesures de confinement en question. À chaque fois qu'il se pose un cas de suspicion, il est normal de la part des hauts responsables de prendre les dispositions, y compris des dispositions préventives. Parce que, dit-on, il vaut mieux prévoir que guérir. L'université de Lubumbashi a fait sa part. Vous avez certainement appris à travers les colloques que nous avions organisés pour présenter le modèle de riposte selon l'université de Lubumbashi. Il y a entre autres le professeur Lungu, Madame Lungu, et le professeur Ekwalanga qui ont présenté leur protocole approuvé par la commission d'éthique de l'université de Lubumbashi et répandu à travers d'autres universités dans le monde. Dans ce protocole, l'on prévoit entre autres, si nous comprenons bien, l'utilisation de la chloroquine à côté des interférons et puis des antioxydants. Vous avez appris à travers le monde qu'il y a la chloroquine qui s'est imposée comme étant l'une des solutions. Probablement que les scientifiques à qui s'adressent toutes les sociétés, tous les États, tous les gouvernants continuent à faire des recherches pour arriver au remède. Mais nous apprenons aussi que jusqu'à présent,
Il n'y a pas un remède qui s'impose comme tel. Les scientifiques continuent à faire les recherches. C'est en cela que l'université de Lubumbashi est partie prenante à tous les efforts de façon à rencontrer les attentes des communautés humaines à propos justement de ce remède-là. Donc l'université de Lubumbashi a fait sa part. Et dans ce cadre-là, justement, nous voulons saluer la faculté de médecine ainsi que tous les enseignants de la faculté de médecine sous l'égide de leur doyen, le professeur Arung, pour les efforts justement qu'ils fournissent de façon à rendre possible le protocole réalisable, le protocole de l'université de Lubumbashi. Par conséquent, on ne devrait pas négliger ce protocole, les produits, les apports des universités africaines de l'université de Lubumbashi. Et vous avez compris que la chloroquine, d'autres universités ont commencé à la citer, d'autres sociétés la citent. Nous, nous l'avions citée avant. Et donc, il faut comme un compagnonnage, comme une escorte de la part de chacun d'entre nous, quels que soient les lieux où ils se trouvent, pour reconnaître qu'au sein de nos universités, de nos institutions, il y a aussi des chercheurs de pointe, il y a aussi des savants, il y a aussi et donc cette production de connaissances qui peut soulager toute l'humanité. Le protocole, il est disponible à ce jour, dans la mesure où la commission d'éthique de la faculté de médecine que préside le professeur Louboya, voilà, le directeur de l'ISTEM, c'est lui qui est le président et il y a des professeurs compétents justement qui font partie de cette commission. Ce protocole, il est disponible au niveau national. Au niveau de la conférence des chefs d'établissement ici chez nous. Et comme il est approuvé, donc il peut être mis en application. Bien sûr, l'OMS et d'autres institutions internationales sont tenues d'être, au courant pour que cela ne soit pas délivré. Et donc, c'est un protocole qui, comme tel, comme d'autres protocoles dans le monde, devrait faire ses preuves. Mais à ce stade, compte tenu de l'urgence, nous pouvons aussi essayer ce fait-là. On ne le perdra pas. Je sais que c'est un patriote, un compatriote. Il aime bien son terroir. Mais c'est vrai, la crise actuelle, toute crise peut constituer un levier pour chacun d'entre nous, comme pour toutes les sociétés. Il y a ici un temps de remise en question de l'organisation, des structures, des prévisions. Et cette pandémie nous interroge à titre personnel, oui, chacun d'entre nous, mais à titre aussi collectif ou communautaire. C'est alors que peut venir comme essentiel la question de savoir est-ce que nous avons donné les moyens qu'il fallait à la recherche, à l'université, à l'école, parce que tôt ou tard, nous revenons là-dessus. C'est ça, justement, l'alma mater. Souvent ce n'est pas bon d'aimer le fruit et de négliger la racine. COVID-19, l'acronyme est la réalité qu'il évoque, atterre, questionne, angoisse, a peur l'humanité entière. Moi je pense que le coronavirus c'est un mal qui ne pardonne pas, qui n'a peur de rien et qui tue beaucoup de gens. Dans cette atmosphère de défaite généralisée, deux éminents chercheurs de l'université de Lubumbashi en RDC suggèrent un protocole qui offre des possibilités de remédier au virus. Qui sont-ils ces scientifiques? D'abord,
la biologiste Philomène Lungu-Onzoal et l'immunologiste virologue Ekwalanga Balaka Michel, tous deux professeurs à l'université de Lubumbashi. Ils mènent des recherches sur le VIH-Sida. Le protocole qu'ils suggèrent est un combiné des interférons de type alpha et bêta avec entre autres la chloroquine et les antioxydants. Suivez ce qu'ils en disent. Avec le produit, les molécules que nous proposons, ces molécules-là vont orienter le système immunitaire vers un système qui consiste à bien prendre en charge les virus, à produire des substances toxiques et neutraliser le virus. L'université, avec ce que nous proposons, l'université est prête à faire face à ça. Tout ce qui est produit par les interférents nous pousse, nous oriente vers la guérison, plus ou moins. Au moins vers l'empêchement de la mort des individus qui sont contaminés. Que pourrait gagner la RDC si la réponse au Covid-19 venait à naître ici? Suivez ce qu'en pense Costa Chinzam, médecin stagiaire et blogueur membre de la communauté Abari RDC. Il a participé à la matinée scientifique de la présentation du protocole. C'est un motif de fierté pour tout Congolais où qu'il se trouve. La RDC gagne d'abord en termes de fierté. C'est une fierté nationale, une occasion pour pouvoir montrer à l'humanité tout entière que dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, la RDC, mon pays, a eu à donner sa part. Parce que je sais que le Congo, c'est une grande expertise en matière de lutte contre des maladies virales. Ici, je peux citer la maladie à fièvre hémorragique Ebola. Le professeur Ekwalanga, c'est un grand homme de science. C'est un chercheur qui a fait ses preuves. Et donc, quand ce monsieur se tient debout devant un public, face caméra, pour dire « Écoutez, j'ai une solution à proposer face au problème qui frappe l'humanité », c'est un monsieur à prendre au sérieux. La RDC n'a pas d'autre choix que de soutenir, que d'encourager, que d'accompagner pareille initiative parce qu'il s'agit des dignes fils de ce pays qui se sont mis ensemble pour pouvoir réfléchir sur comment trouver des solutions face à un problème qui touche l'humanité tout entière. Le protocole des professeurs de l'université de Lubumbashi concerne aussi d'autres infections virales telles que les hépatites, la fièvre hémorragique Ebola et le VIH-Sida.